Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo pour montrer comme quoi, en tant que cycliste, j'aurais mieux fait de passer au rouge. C'est la critique qu'on entend constamment, mais j'aurais mieux fait de passer au rouge. Parce qu'on a déjà une première voiture, la voilà, qui ne respecte pas la distance latérale de sécurité. Et on va avoir une seconde voiture, la voilà, où ce sera encore pire, toujours par rapport à la distance latérale de sécurité non respectée. On a eu une passagère dans la voiture là qui alerte le conducteur, mais ça marche pas. Et puis, par peur, je renonce et je passe derrière la voiture. Sachant que si le but de la voiture c'était de passer devant, je la renvoie 100 mètres plus loin et je passe devant. Voilà, c'est la voiture là. Je propose qu'on revienne rapidement sur le dépassement dangereux de la deuxième voiture. C'est là pour dire que je ne peux pas trop serrer sur la droite parce qu'on a la voiture là. On avance un peu. Je ne peux toujours pas trop serrer sur la droite à cause du muret. Et enfin, je m'aperçois qu'il y a un camion qui est ici. Donc ça veut dire que je pourrais toujours pas continuer à serrer ma droite. Et du coup, là, je renonce. À ce moment-là, je pense que la voiture, elle doit être à 50 cm du bord du trottoir, c'est-à-dire qu'elle est à quelques centimètres de moi. Je pourrais même pas du rétro. Et donc je renonce parce que j'ai peur.